Tout le monde ira au mur, car nous avons que notre destin est scellé d'avance depuis que le prisonnage, nous allons au mur. Il n'y a aucun échappatoire pour les échappatoires qu'on nous a dressés, pour nous empêcher, pour faire taire notre volonté, pour nous inventer tout un tas de stratagèmes, pour nous contraindre à ne pas voir le mur. Maintenant, nous nous voyons, maintenant, nous sommes contrés, maintenant, nous pouvons dire que nous sommes déjà morts, nous sommes une génération en sursis, mais déjà morte, au fond d'elle, ça sent le cadavre, au fond d'elle, la génération, c'est ça, elle sait qu'il n'y a plus rien à espérer. Elle a tout fait au début. Au début, elle a pensé se détourner de sa raison d'être au début. On lui a fait prendre mille chemins au début. La génération cubaine a cru vaincre son mal au début. La génération, comme toutes les générations d'imbéciles qui l'ont précédée et qui la suivront, elle a pensé qu'il y avait des choses à dire alors qu'en fait il n'y avait rien à dire, rien à ajouter de plus. Ou alors une ribambelle de faux semblants, une ribambelle d'attitude sans intérêt, une ribambelle de possible et d'aventure dans le possible, une ribambelle d'invention sans intérêt avec beaucoup de blabla autour. Une ribambelle de blabla, voilà la vraie définition de notre génération, la ribambelle des blabla, c'est ça le nom de notre génération, la génération de la ribambelle des blabla, rien d'autre à dire que du blabla, et maintenant il va falloir s'arracher à la vérité, maintenant il va falloir s'accrocher à une réelle pure mesure, pas de mesure homme que la pure mesure, c'est-à-dire la vraie mesure, et pour les générations et génération, nous passons pour les porteurs de projets sans complet, nous passons, allez, nous passons pour ça que l'on aussi aller au mur, sans rien demander à l'époque qu'on aille au mur, et le plus tard sera le mieux, qu'on y aille, et qu'on ne parle plus, qu'on en fasse même pas état, qu'on aille au mur, et qu'on en finisse avec toutes ces générations de détourneurs, des générations de pénurie, des générations d'incapables, des générations, et d'un nombre particulier de faux travail et de faux paroles, comme la ribambelle des blabla, de générations qui blabla, alors qu'il y a autre chose à faire que blablater, il y a le mur, et pas un bar, pas d'alternative, ni d'intervenant, une seule route possible, pas un seul chemin, mais tout tracé, et pour nous, et pour les jeunes générations, et pour toutes les autres, et pour tout un chacun, le sait, dans son fort intérieur, tout un chacun sait que nous allons au mur, alors autant y aller la tête haute, et sans que les jambes réfléchissent, sans que le corps ne s'abaisse, sans que la tête rentre dans les épaules, sans que les bras mollissent, nous irons sans coup férir, droit comme des i, et point de reculade, car de toute façon, nous savons que c'est peine perdue, la reculade, c'est pour mettre demain, la reculade, c'est pour les faibles, la reculade, c'est pour tous ceux qui ignorent ce fait, qui tentent de l'ignorer, la reculade, c'est pour tous ceux qui ont tenté, de toutes les manières, d'éteindre notre volonté, la reculade, c'est pour tous ceux qui ont pensé nous éloigner de notre ambition, la seule, il faut en finir, avec la reculade, avec les marchands reculants, et les coups de plaque, celles qui mettent des pièces dans notre pensée, ceux qui ne pensent qu'à piéger nos actes les plus purs, il faut des actes purs, il faut des gestes, et des actes sans commettre de pur, il faut des actes décisifs.